Ok, l'impossible. Première année que je fais le festival de Montreux, je connaissais le festival de réputation, j'ai déjà vu la programmation, et c'est la première année que je suis programmé. Ouais. On va parler un peu de ta musique. Ouais. Donc c'est plutôt, on va dire, d'influence country, quoi. Ouais, country, ouais, country, blues, folk. Bon, en fait, j'ai fait un petit peu, j'ai touché un petit peu à tous les styles, et puis c'est vrai que plus le temps passe, et plus, en fait, je trouve un petit peu ma place dans la musique country, en français, j'en ai fait beaucoup, j'en fais toujours beaucoup, j'ai accompagné pas mal de gens qui font cette musique-là, et en fait, voilà, j'ai pris l'option de faire cette musique-là sur des textes en français. Et depuis maintenant, j'ai fait deux albums en français country, voilà. Au départ, tu voulais faire de la musique country ou alors ? Non, en fait, ça s'est fait un petit peu avec le temps, c'est-à-dire que j'ai fait... J'ai fait un petit peu tous les styles, j'ai travaillé pour le Club Med, j'ai travaillé le répertoire jazz, apéritif jazz, j'ai travaillé pour Pierre et Vacances, j'ai fait répertoire pop-rock, j'ai fait de la variété, j'ai fait du blues, et en fait j'ai toujours été fan, moi en fait, le premier groupe dont j'ai été fan quand j'étais môme, c'était Creedence. Donc Creedence déjà c'est quand même assez blues, assez country. Ensuite, Mark Knopfler, pour moi ça a été vraiment une vraie, quelque chose de vraiment très important, et donc j'aimais bien, mais j'étais pas complètement dans le style, et puis c'est avec le temps, à force d'en faire, et puis de me retrouver un petit peu de plus en plus imbibé dans le bocal, en fait, si c'est imbibé, c'est dans un bocal, voilà, je suis devenu complètement inconditionnel de ça, et puis c'est vrai que bon, je suis guitariste, donc c'est vrai que la musique country, c'est quand même une musique qui est très guitare ou dobro ou banjo, enfin c'est un instrument, les instruments à cordes sont rois, quoi, donc je me sens vraiment dans mon élément, quoi. Et comment tu as décidé de te lancer, et avec qui, d'où c'est parti en fait? Ben, en fait, donc là j'ai eu la chance de faire un album avec Caroline Productions, donc Jean-François Delfour et Marie-Agnès Baudouin qui m'ont produit l'album qui en fait qui a été enregistré il y a un an et qui est en fait sorti, qui n'est pas encore sorti d'une façon officielle, mais ça ne saurait tarder. Et donc ça a été déjà une première chance. Et avant cet album-là, j'ai fait un précédent album que j'ai coproduit avec quelqu'un avec qui je travaille beaucoup, c'est Pascal Lasnier, qui est le bassiste du groupe et qui en fait écrit tous les textes et compose aussi certaines musiques. Donc en fait, ça s'est fait il y a 2005, ce précédent album date de 2005, et avant ça, j'ai fait deux autres albums avec un petit label, et c'était déjà country, mais c'était pas country en français, c'était une espèce de mélange de musique irish, de reprises, de morceaux instrumentaux, la guitare, de choses comme ça. Et puis donc en 2005, on a fait le disque avec Pascal Lasnier, qu'on a produit tous les deux. Et ensuite, voilà, Caroline Productions m'a produit le dernier album. Et puis, bon, bah, les choses se mettent en place petit à petit, quoi. Ouais, finalement, tu as mis un certain temps à trouver... Ouais, ouais, ça prend du temps. C'est vrai que moi, j'ai toujours... Il y a des gens qui trouvent tôt, et c'est pas mon cas. Moi, j'ai toujours été, de toute façon, dans un état d'esprit de recherche, quoi. Quand j'avais 17 ans, j'avais des cheveux longs, j'écoutais Deep Purple, et... tout en sachant que c'était pas exactement ça qui me plaisait, je me suis beaucoup intéressé au jazz
bebop, etc. J'aime beaucoup, mais je sais que c'est pas complètement ça. Et quelque part, dans la musique country, je trouve plein d'éléments que le rock, le blues, le jazz, le western swing. Y a tous les éléments sont un petit peu réunis pour donner corps à cette musique-là. Quoi. Demande pas l'Himalaya, je ne suis pas à la hauteur. Pour pas les vieux Sherpas, je préfère l'ascenseur. Ne me demande pas l'impossible, je ne suis pas magicien. Mes trucs sont si visibles qu'ils font rire les lapins. Mais demande-moi plutôt et des caresses, des mots doux chuchotés à tes fesses. Ça je saurais le faire, ça je saurais le faire. Mais demande-moi plutôt des baisers et des câlins, des mots doux susurés à tes seins. Ça je saurais le faire, ça je saurais, ça je saurais le faire. Sur la grande ou la petite scène, on verra ça.